lit. Être Kanak, c'est d'abord faire des choses qui appartiennent à la tradition, à la culture Kanak. Et l'une des choses essentielles que nous avons ici, c'est la culture de l'igname. L'igname, ça représente un peu l'homme, l'homme de la terre. Et chaque année, on met l'igname à terre et on l'élève, on fait en sorte qu'elle soit belle chaque année, parce qu'elle représente un peu pendant une année ce que c'est que l'être humain par rapport à la nature. Voilà, c'est la plante qu'on a choisie au niveau de la culture Kanak pour avoir un lien privilégié, une relation privilégiée avec la nature. Voilà, je voulais simplement dire que la colonisation, quand elle est arrivée ici, elle est arrivée avec la religion. Et quand ils sont arrivés avec la religion, ils ont dit à nos ancêtres, nos grands-pères, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre sous terre, qui ne sont pas en accord avec la religion. Et donc beaucoup de nos valeurs culturelles, beaucoup de choses que nos grands-pères ils avaient à l'époque, tout ça, ça a disparu. Ça a disparu parce qu'ils ont décidé de mettre sous terre, d'enterrer, parce que ça ne marche pas ensemble avec la religion. Je raconte que la terre chez les Kanaks, c'est quelque chose d'important, parce que c'est le berceau de la vie. Les Kanaks, ils disent qu'ils sortent de la terre. Et ils sortent, moi par exemple, on me dit à moi que je suis sorti de tel endroit, de telle terre. Donc la terre a une importance dans la vie. Et lorsque les colons sont arrivés, ils ont voulu prendre les terres, ils ont lâché leur bétail et leurs chiens. Et à l'époque, c'était la première fois que les Kanaks voyaient ces bêtes-là, ils avaient peur. Et ils se sont donc enfuis, ils ont quitté les lieux où ils avaient, au bord de mer, et ils sont allés se réfugier sur les flancs de montagne ou dans la forêt, dans des endroits qui étaient difficiles pour la culture. Et ils ont laissé donc les bonnes terres pour les colons. Et cette situation, évidemment, a continué jusqu'à maintenant. Le régime de l'indigénat, c'est un régime qui a été mis pendant la colonisation, qui interdisait donc aux Kanaks de sortir de leur réserve. Ils étaient cantonnés dans leur réserve et pour sortir, ils n'avaient pas le droit de le faire. Il fallait une autorisation donc du gendarme du coin avec l'intermédiaire du chef. Et il y a aussi des heures dans la journée, dans la nuit, ils n'avaient pas le droit de sortir. Quand on était à Nouméa, quand ils étaient à Nouméa, à la tombée de la nuit, ils pouvaient plus circuler en ville. Il fallait qu'ils rentrent chez eux, c'était le couvre-feu. Et puis pour aller, ils devaient... il y avait un impôt qui était institué, c'est l'impôt de la capitation. Chaque homme devait aller travailler sur les routes sous forme de... C'est comme si c'était un impôt. Il partait et travaillait avec des contremaîtres qui les surveillaient sur les routes. Ils n'étaient pas payés parce que c'était leur contribution à la bonne marche du territoire. Voilà, et on appelait ça l'impôt de la capitation. Je voulais dire qu'il y a eu beaucoup de conséquences à ce régime de l'indigénat. Il y a eu un moment de désespoir chez le peuple Kanak. Je crois que c'est dans les années 1900. Il y a eu
La population s'est beaucoup diminuée. On est descendu jusqu'à, je crois, on a parlé de 20 000. Donc le Kanak s'est laissé mourir parce qu'il était face à une colonisation qui était dure. Et ils étaient, évidemment, ils n'avaient aucune organisation pour résister parce qu'ils étaient séparés dans les réserves. Ils étaient morcelés dans les réserves où ils ne pouvaient pas sortir, donc ils n'avaient pas de moyens de s'organiser. Et je crois ils ont commencé à parler de leur lutte. La véritable lutte, c'est quand ça a été la fin de l'indigénat. Mais je crois que les missionnaires aussi, la religion, quand ils sont venus, ils ont essayé de redonner de l'espoir à ces gens qui se laissaient mourir parce qu'ils voyaient aucune issue à leur situation. Voilà. Et c'est un peu certains hommes comme Lénard, chez les protestants, ce sont ces hommes-là qui ont essayé de redonner un peu l'envie de vivre aux populations à l'époque. Et donc c'est un peu ça qui a fait que ils sont restés comme ça, hein, sans grande résistance. Partout, il n'y a pas eu de véritable organisation à l'intérieur, parce qu'ils étaient les Kanaks à l'époque, il n'y avait pas la notion de peuple. C'était des groupes isolés un peu sur la Grande Terre et dans les îles. Il y avait des groupes de clans. Et on a commencé à parler de peuple quand on a commencé à circuler pour renouer les liens, voilà, les liens entre les clans. Et voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé avec le régime de l'indigénat. Ouais, c'est à la sortie du régime de l'indigénat, hein, je pense dans les années 50. Ils ont commencé à prendre conscience qu'ils font partie d'un peuple. Hein. C'est lorsqu'ils ont commencé à vouloir faire de la politique. Hein, ils disent que bon, ils ont envie de désigner des représentants à eux qui vont défendre leurs intérêts au niveau du territoire. Donc c'est à partir de là ils ont senti qu'ils faisaient partie tous d'un même peuple sur la Grande Terre et dans les îles. Hein. Et c'est surtout la lutte après, hein, pendant les années 70, qui les a ressoudés, hein, contre la colonisation, qui a fait leur unité. Voilà. Les événements, ça a commencé dans les années 1970. Parce que dans ces années-là, il y a les premiers jeunes qui sont partis faire des études. Parce que les premiers à revenir sur le territoire, c'est dans les années 70. Ce sont des jeunes qui ont participé aux événements de 1968 en France, où ils ont vécu là-bas avec des jeunes qui avaient envie de changer le monde un peu partout, dans les pays africains où il y avait la colonisation, en Indochine où il y avait le Vietnam. Et parmi ces jeunes-là, il y avait Nido Schnessin qui a marré, et puis il y a certains d'entre nous qui sommes revenus, et puis on a décidé de créer des mouvements ici pour revendiquer notre droit à la liberté, parce qu'on trouvait que le pays était un pays raciste par rapport aux Kanaks. À l'époque, on était parqués dans les réserves, dans des endroits qui étaient perchés plus ou moins sur les montagnes. Et on a décidé que on peut pas rester sans rien faire. Il fallait absolument faire quelque chose pour libérer de notre peuple du joug colonial, de la domination coloniale. Et donc c'est le début de tous ces événements. Et cette lutte, évidemment, a abouti aux événements de 84, parce que la lutte qui était faite par ces qui a été reprise après par le FLNKS, exprimer donc la revendication du peuple Kanak, et ça mettait en cause les autres populations qui étaient ici, en particulier la population française.
les caldoches et puis tous ceux qui sont arrivés avec la colonisation, se sont sentis remis en cause et ils ont essayé de défendre leurs intérêts. Et il y a eu donc à partir de là des affrontements et il a commencé à avoir des morts d'hommes. Certains hommes qui sont morts du côté de Nyengen, ce sont les frères de Jean-Marie Kibaou. Et puis ici du côté de Canala, il y avait Machoro, Eloi et puis Nonaro, Marcel, qui sont les victimes de cette confrontation. Really? Après les événements, donc comme il y a eu des morts d'hommes, nos responsables ont dit que ça ne sert à rien de continuer à s'affronter parce que nous, on n'avait pas les moyens d'affronter les autres parce qu'ils étaient super armés. Donc c'est avec Jean-Marie Tjibaou et puis nos dirigeants politiques de l'époque, ils ont décidé de signer les accords de Matignon et qui a donné ensuite l'accord de Nouméa. Ce sont des accords qui permettent de partager le pouvoir politique ici. Le pouvoir à l'époque était détenu par les gens qui sont à Nouméa, la bourgeoisie européenne. Ce pouvoir politique a été partagé avec les Kanaks en partageant le territoire en trois provinces. Hein. Il y a la province sud, et puis il y a la province nord et la province île, ce qui permettait de mettre en place, donc de désigner le peuple Kanak pouvait désigner ses représentants pour être à la tête de ses provinces et mettre en place la politique qu'ils veulent bien, qu'ils ont décidé d'appliquer. Mais il y a aussi une partie de la population qui n'est pas d'accord avec l'accord de Nouméa, hein, qui conteste parce qu'ils trouvent que les choses ne vont pas assez vite, que les inégalités continuent à être là, que les inégalités continuent à grandir et ils ne voient pas beaucoup de changements. Donc il y a un mécontentement au niveau des jeunes, au niveau de certains groupes, par exemple comme l'USTKE, le Parti travailliste, qui expriment un peu leur désaccord avec l'accord de Nouméa. Oui, je voulais dire que bon, il y a des choses qui ont évolué. Hein. Par exemple, au niveau des revendications de terre, je pense que les Kanaks sur la Grande Terre, hein, parce que c'était surtout sur la Grande Terre, ils ont obtenu en grande partie satisfaction au niveau des revendications qu'ils ont eues sur la Grande Terre. Mais ce qui reste inchangé, ce sont les inégalités sociales. La population kanak est toujours un peu marginalisée. Le partage des richesses n'est pas, le rééquilibrage n'est pas encore mis en place. Hein. Il y a toujours les grosses différences entre une partie de la population qui est à Nouméa et puis le reste. Hein. Les populations qui sont en brousse ou dans les îles, ben, ils continuent à vivre comme avant, et puis ils voient pas, enfin ils n'ont pas des niveaux sociaux qui permettent de vivre correctement. Voilà, je suis président de la Ligue des droits de l'homme, hein, et il y a un des droits fondamentaux de l'homme, c'est le droit à vivre correctement. À vivre correctement ici et puis à des richesses du pays. Alors jusqu'à maintenant, il y a toute une partie de la population dont les droits essentiels ne sont pas respectés au niveau du logement, au niveau des emplois. Il y a beaucoup de chômage chez une partie de la population, chez les Kanaks. Au niveau des logements, ils ont du mal à se loger autour de Nouméa. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les squats, dans les bidonvilles autour de Nouméa. Et cette situation-là, ça fait des grosses inégalités. C'est des écarts de richesse qui sont inadmissibles dans un pays
dit démocratique. Et donc, nous, on essaie de soulever ça pour dire aux politiques, dire à l'État français et puis à ceux qui sont à la tête qui ont les pouvoirs de décider ici, de prendre des décisions qui va favoriser cette population qui se sent un peu à l'écart, qui sent un peu sur le côté de la route, au niveau des jeunes, au niveau des populations d'ici. Je pense ils se sentent un peu rejetés de toutes les richesses qui sont produites par le pays. Really? Voilà, je voulais dire que dans une démocratie, il est important qu'il y ait à la base une égalité sociale entre les gens, que les gens bénéficient des mêmes avantages. Or, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a de trop grosses inégalités, de trop grosses injustices, et on ne peut pas vivre correctement dans ces conditions, dans une démocratie. Il faut qu'il y ait une politique qui permet de réduire les écarts de richesse entre les gens, que les gens ils aient de quoi vivre correctement tous les jours, qu'ils soient logés correctement, qu'ils aient des emplois et qu'ils aient de quoi vivre chaque jour. Voilà, mais une démocratie, c'est quelque chose qui se construit. Je pense que au niveau de la Ligue, on essaie de faire en sorte que les gens se rencontrent, parce qu'ici, il y a trop de barrières entre les gens, on vit trop entre communautés. Et au niveau de la Ligue, on essaie de faire en sorte que ce soit un espace où les gens se rencontrent pour parler de leur avenir, parler des conditions de vie de tous les jours et de chercher les moyens pour que ça évolue dans le bon sens, pour une véritable démocratie. On a signé l'accord Nouméa et l'accord Nouméa nous amène jusqu'en 2019. En 2019, l'accord Nouméa se termine et il faut qu'on décide après ce qu'on doit faire. Hein. Il est prévu une consultation normalement des populations ici. Et je crois qu'actuellement, on commence à en discuter parce qu'il faudra qu'on décide. Le peuple kanak a décidé, avec ses dirigeants de l'époque, de discuter avec tout le monde, de discuter avec tous les hommes et les femmes qui ont décidé de venir ici. Mais nous avons jusque-là fait beaucoup d'efforts. Je crois qu'on demande aussi aux populations qui sont arrivées ici de faire des efforts aussi d'écoute, puis d'écouter un peu la voix des hommes qui sont sortis de cette terre, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine de ce territoire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup écouté ce qu'ils ont dit. Et je vois que pour qu'il y ait quelque chose qui soit bien construit pour l'avenir, il faut qu'il y ait des échanges entre ces populations, les populations qui sont ici, les populations autochtones, et puis les autres populations qui sont arrivées ici. On a décidé de faire un chemin ensemble. Ce n'est pas toujours partagé par tout le monde, mais on a décidé de construire ensemble quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas encore. Certains d'entre nous connaissent un peu, voient un peu comment on va évoluer, mais beaucoup de monde ici ne savent pas du tout où on va. Voilà, donc ce sont des choses qui vont nous arriver dans les années qui viennent. Il faudra qu'on soit des véritables hommes capables de trouver une solution qui contente le plus de monde possible, et en particulier les populations kanak, et puis ceux qui ont décidé de venir ici vivre avec nous, sur ce territoire.